Moi, j'ai commencé alors vers l'âge de 15 ans alors à tailler de la pierre, à sculpter de la pierre. Hein. Au départ, je suis un classique et je me suis mis au métal par la suite lorsque j'ai rencontré Capelli, qui était le fondeur de César, et qui m'a fait mes premiers bronzes. Et du fait que les bronzes étaient très chers, je me suis mis par la suite à la bonne vieille ferraille. Quoi. J'ai travaillé avec pas mal de récupérations. Des manomètres, des trompettes, des extincteurs, comme on voit là, ici. À travers mes sculptures, je représente le monde dans lequel on vit, en fait. C'est pour ça que j'invente des espèces de voitures, de véhicules, un peu genre fantastique. Ça rappelle un peu l'univers de Jérôme Bosch. Voilà. Ou des faux instruments scientifiques, comme ici. Je préfère dire des choses sérieuses, mais d'une façon humoristique, quoi. J'aime bien l'humour noir. C'est les gosses qui aiment bien mes œuvres parce que quand je fais des choses comme ça, ça leur fait comme des jouets, ils adorent. Alors donc j'expose du 4 mars au 3 avril. Vous pouvez tous venir au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc. Je m'appelle Jean-Paul Ménine, je fais de la sculpture depuis l'âge de 14-15 ans, où je sculptais surtout le bois. Hein. J'ai toujours aimé le bois, j'ai toujours adoré le bois parce que c'est une matière vivante, chaude et ça m'a toujours plu. Je sculptais aussi un petit peu en parallèle la pierre, hein, le marbre, le calcaire d'ici. Je sculptais aussi un petit peu le verre, mais le verre c'est plus difficile parce qu'il faut un four. Donc je sculptais le verre chez les amis artistes. Et puis il y a à peu près 5 ans, je devais réaliser une sculpture en fer que j'avais dessiné les croquis, les plans. Et depuis 5 ans, je fais que des sculptures à l'arc, hein, en métal. Et mon idée, c'est toujours de récupérer au maximum les matériaux qui ne servent plus à rien. Hein. Donc je récupère un petit peu tout ça, les vieux outils, la vieille matière, les vieilles tôles, suivant les sujets, suivant les thèmes abordés. J'essaye toujours de faire passer une émotion. Donc notamment quand c'est des sculptures un petit peu romantiques, avec des petits amoureux, des choses comme ça, j'essaye de faire passer une émotion, qu'on se... tout ça. Mais il n'y a pas que de l'émotion romantique, il y a aussi de la poésie. Hein, quand je fais des sculptures avec des thèmes, il y en a notamment une dernière que j'ai faite sur le petit prince. Donc j'ai fait mon petit prince à moi, hein, dans mon style à moi, avec c'est des sculptures qui font rêver. Et puis aussi des sculptures aussi avec un brin d'humour. Donc la sculpture raconte une petite histoire et quand on la regarde un petit peu de près, souvent ça fait sourire et même rire des fois, hein, parce que c'est aussi le but, c'est aussi qu'on s'amuse un petit peu en regardant ces sculptures. Donc quand j'ai fait ça, ah, j'ai dit là, il faut que je la mette dedans, ça. Voilà, c'est vraiment... J'ai